La Porsche Carrera Cup française après 3 manches à l'extérieur de nos frontières, retour en France et plus particulièrement sur le circuit Bugatti au Mans. Et y aurait-il un microclimat sur ce tracé du Mans, puisqu'alors que la France croule sous la canicule, une averse est venue perturber l'avant-course de la Porsche Carrera Cup, à tel point que le départ est donc donné sous régime de voitures de sécurité. En ce qui concerne la grille de départ et plus particulièrement la pole position, elle a été acquise par l'homme fort de la catégorie. Je veux bien sûr parler de Mathieu Jaminet, 7 dixièmes de mieux que son principal challenger, en l'occurrence Vincent Beltoise, pour cette grille de la première course. Un Mathieu Jaminet qui, vous le savez, depuis le Grand Prix d'Italie et depuis l'épreuve Super Cup de Monza, a également décroché en Porsche Super Cup le titre de rookie de la saison 2016. Donc il est en forme, Mathieu Jaminet, et qui pour l'instant, je vous le rappelle également, n'a perdu aucune des courses de cette Porsche Carrera Cup France millésime 2016, que ce soit à Barcelone, à Spa ou à Zandvoort. Les 3 précédentes manches de la série, eh bien à chaque fois Mathieu Jaminet en est sorti vainqueur. Autant dire bien sûr que c'est lui qui est le leader de cette Porsche France, alors que va débuter dans quelques instants, hélas d'ailleurs sous régime de sécurité pour l'instant, cette nouvelle épreuve ici sur le circuit Bugatti. Les pilotes qui, pour l'instant, partent tous en conservant les gommes sans sculpture, les pneus slick. Chacun devant se dire sans doute que la pluie va bien cesser et la piste va bien sécher d'ici à la fin, ou en tout cas durant les quelques premiers tours de cette piste. Et là, pour l'instant, on est donc derrière la voiture de sécurité, vous le voyez. Et attention, parce que les pneus, on essaye de les maintenir en température, on essaye de les faire monter surtout à la bonne température. Et dans ces cas-là aussi, attention, c'est parfois un petit peu risqué, y compris dans ces conditions. Mais tiens, voilà l'exemple avec Pierre Piron là, hein, qui est parti à la faute, qui va reprendre la piste, mais désormais à l'arrière du peloton pour cette épreuve qui compte également pour la Porsche Carrera Cup Benelux. Allez, fin d'un premier tour sous régime de voitures de sécurité. Cette dernière a toujours sa rampe lumineuse allumée. On est donc parti pour un deuxième tour. Ça deviendra presque également une habitude sur ce tracé et Manceau. Et comme le départ a donc été donné sous condition de voiture de sécurité, le chrono a donc été déclenché par la même occasion, alors qu'il y a un pilote qui passe par les stands. Peut-être la volonté pour c'est Nicolas Misselin de mettre des pneus rainurés pour Nicolas Misselin, des pilotes de Martine Bayalmeras, équipe qui a donc son pilote fétiche, en l'occurrence Mathieu Jaminet, en pole position. Et puis également dans les stands, c'est Thomas Lacour qui joue également sur l'intensification de l'appui. C'est peut-être un petit peu osé, on va voir si le pari va être gagné, que ce soit pour Nicolas Misselin ou pour Thomas Lacour. Attention à la roue qui est pas très très bien placée dans la zone des stands. Voilà, ça repart pour Nicolas Misselin. On est toujours bien sûr sous régime de voiture de sécurité, donc si l'appui s'intensifie, ça sera peut-être la bonne gage pour Nicolas Misselin. Mais pour l'instant, on n'a pas quand même l'impression que les gommes rainurées peuvent fonctionner hein, sur cette piste, certes humide, mais qui n'a pas l'air complètement mouillée. On sait que les pneus rainurés, ils ne fonctionnent que s'il y a vraiment de l'eau sur la piste. On peut penser, voilà, que la course va débuter à la fin de ce deuxième tour, alors que pour Thomas Lacour, on est toujours dans les stands.
C'est un petit peu long là, le changement des quatre roues sur la Porsche de la cour. Voilà, il faut repartir. Voilà qui est fait. Et prendre la place à la fin du peloton. Je rappelle, en première ligne, c'est bien Mathieu Jaminet avec à ses côtés Vincent Beltoise. Juste derrière, il y a Florian Latour, le pilote, un des pilotes du Sébastien Loeb Racing. Voilà, cette fois-ci, la rampe lumineuse est bien éteinte sur la voiture de sécurité et tout le monde est plus ou moins au ralenti là-bas au loin. Voilà, à Mathieu Jaminet de donner le tempo de, du vrai départ de cette première des deux courses ici sur le circuit Bugatti. Allez, encore quelques petits coups de volant là pour faire monter les gommes à température avant d'aborder là pour la première fois la ligne des stands sous régime vert. C'est parti pour 24 minutes désormais. Bon départ de Jaminet, pas de problème pour Beltoise, pour Latorre également. On va surveiller également Geoffrey de Narda un petit peu plus loin. On va surveiller également Julien Andlauer et on va surveiller le 85. C'est Thomas Laurent qui est tout de suite à l'attaque dans ce début de course. Et le premier passage à la chapelle, ça va un petit peu large pour... pour Latorre. Le voilà, Florian Latorre, le numéro 10. Le numéro 9, c'est Geoffrey de Narda. Les deux pilotes, Sébastien Loeb Racing. Et tout de suite, justement, tiens, avec Latorre qui attaque d'entrée de jeu Vincent Beltoise. Et ça passe. Changement à la deuxième place. Et on peut penser que tous ces pilotes, ils ont eu raison de conserver leur gomme slick. Voilà, on revoit le freinage et le dépassement impeccable de Florian Latorre sur Vincent Beltoise. Mais attaqué également par de Narda par l'extérieur. Un Vincent Beltoise un petit peu en difficulté dans ce début de course. Il a peut-être choisi des pressions de pneus là qui ne sont pas du tout favorables à sa monture en ce début de course, puisque même Thomas Laurent vient de passer à son tour. C'est compliqué pour Beltoise avec juste derrière lui, c'est Julien Andlauer, le pilote Saint-Éloc, le 555, voilà, qui est un petit peu plus loin. Et ensuite, on va trouver les plus rapides des pilotes B. Avec en particulier, on l'a aperçu, le 911 de Christophe Lapierre. Et c'est Alexandre Joannem, le pilote Tsunami RT, qui est juste devant d'ailleurs. Le pilote B, le multiple champion B. Toujours Mathieu Jaminet avec de temps en temps, on l'aperçoit quand même, les pilotes qui mettent un petit coup d'essuie-glace, preuve qu'il y a bien encore quelques petites gouttes qui tombent au-dessus du circuit Bugatti. Mathieu, on parlait de Christophe Lapierre, c'est lui là qui met la pression sur Joannem. Et il est suivi par le leader de cette catégorie, Gentleman, en l'occurrence Lindland. 114 points pour Lindland en arrivant ici. 109 pour Lapierre. Nicolas Michelin, que l'on a vu tout à l'heure dans les stands, est à 89 points. Et juste derrière, à 10 points derrière, on trouve Guedey. J'évoquais également les performances depuis le début de la saison de Mathieu Jaminet. Et bien, sachez que Jaminet possède 131 points en arrivant ici. De Narda est à la deuxième place avec 96. On va retrouver ensuite Vincent Beltoise, 86 points, et Florian Latorre, 74. Allez, un nouveau passage sur la ligne. Les Porsche qui sont au rupteur avant d'aborder
les virages de la courbe Dunlop. Toujours Mathieu Géminé en tête. Voilà le classement après 4 tours, donc le 48. Confirmation que c'est bien Florian Latorre à la deuxième place. Geoffrey Denarda à la troisième. Thomas Laurent à la quatrième. Vincent Beltoise qui a donc chuté de la deuxième place sur la grille à la cinquième place. Suivi donc par Julien Andlauer, Joannem et donc Christophe Lapierre, leader pour l'instant devant son rival Linland dans la catégorie gentleman. La question qui se pose, c'est de savoir si les pilotes qui se sont arrêtés tout à l'heure ne vont pas devoir repasser par les stands pour remettre des gommes slick, car manifestement, la pluie est en train de s'arrêter au-dessus du circuit. Alors que c'est l'abandon pour Piron. Le leader, c'est lui. Mathieu Géminé, le numéro 48, qui essaye de creuser un petit écart. Pour l'instant, c'est pas forcément fait. Ah, voilà aussi une bagarre qui nous intéresse. Lapierre Linland pour la suprématie dans la catégorie gentleman. La 28e place pour Thomas Lacour qui s'est arrêté tout à l'heure, autrement dit même carrément la dernière. Attention également avec une bagarre qui est en train de se préciser là entre Geoffrey Denarda et Thomas Laurent. Va-t-il y avoir possibilité là pour le 85 Thomas Laurent d'aller chercher le pilote Sébastien Loeb Racing qui est juste devant lui. Thomas Laurent, un autre sociétaire de l'équipe Martinet by Elmeras. Pilote qui monte en puissance également dans cette saison 2016. Et qui carrément est en train d'essayer de se battre pour une place sur le podium sur cette première course. Géminé, Latorre, pour l'instant les positions sont plutôt établies. En revanche, ce n'est pas le cas pour la troisième place pour l'instant. Toujours cette bagarre avec un gros freinage là de Thomas Laurent. Surveiller également juste derrière le possible retour de Vincent Beltoise. On l'a dit, le début de course ne lui a pas été favorable, mais il y a peut-être moyen de revenir aux affaires pour le pilote qui avait signé le deuxième chrono des qualifications. Deuxième chrono d'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard avec la deuxième course, avec une première ligne carrément identique à la première ligne de cette course-ci avec Géminé et Beltoise. Une fois encore en première ligne, ce sera également le cas donc pour la deuxième course. Latorre toujours deuxième et 2 secondes 35 désormais d'écart entre les deux premiers. Et le troisième est à 4 secondes 12. Et Vincent Beltoise, vous l'avez vu, à 5 secondes et demie en gros du leader. Et il y a quelques petits dixièmes qui séparent Lapierre de Linland, alors que regardant 1:41.297, c'est le meilleur tour signé par le leader de la course. Mathieu Géminé, vainqueur, je vous le rappelle également, dans la catégorie en Super Cup, c'était à Spa-Francorchamps. Alors que voilà, ça se précise également un petit peu derrière. Quand je vous parlais du retour aux affaires de Vincent Beltoise, il a profité d'une petite erreur là de Thomas Laurent pour tenter une attaque. Ça ne passe pas. Belle défense de Thomas Laurent. Eh oui, on pouvait s'y attendre. Retour une deuxième fois dans la voie des stands pour Nicolas Misselin qui va donc de nouveau chausser sa Porsche de gomme slick. Alors un problème également pour Alexandre Joannem qui au même moment est sorti de la piste. Va-t-il pouvoir repartir? C'est dommage parce qu'il était bien là, Joannem.
Alors que la bagarre continue, de plus belle entre Thomas Laurent et Vincent Beltoise. Ouais, petite erreur là. Oula, c'est pas assez fin. Allez, pas de place de gagné, pas de place de perdu non plus d'ailleurs, par la même occasion pour Beltoise. Même si il se retrouve désormais un petit peu sous la menace de Julien Andlauer. Le numéro 9, le pilote Sébastien Le Brassing, Geoffrey Denarda, le deuxième en arrivant ici au classement général avec 10 petits points d'avance sur Vincent Beltoise. Et pour l'instant, son adversaire est derrière lui, donc tout va bien. Il va pouvoir éventuellement augmenter un petit peu son avance sur le deuxième et puis ne pas trop se laisser distancer par Mathieu Jaminet. Mais encore une fois, on se demande, en tout cas dans cette course, qui peut bien aller chercher Mathieu Jaminet. On a vu également les leaders passer devant Thomas Lacour qui doit être à l'agonie avec ses gommes rainurées. Thomas Lacour qui, à l'image de ce que vient de faire un tour plus tôt Nicolas Misselin, devrait également passer par les stands. Voilà, on revoit le dépassement là pour Vincent Beltoise qui également se défait comme l'a fait juste avant lui Thomas Laurent. De Thomas Lacour. Les écarts après 8 tours. 4 secondes désormais entre le premier et le deuxième. Et on va dire, allez, une seconde et demie entre le deuxième et le troisième. C'est un petit peu plus groupé derrière, on a pu le constater. Mais c'est vrai que là, on voit sur ce nouveau passage à la chapelle l'avance qu'a donc pu prendre Mathieu Jaminet. Impeccable pour l'instant. Alors que la bagarre fait rage en championnat B. Et oui, voilà, confirmation. On est obligé de le faire. Les pneus rainurés qui n'auront servi à rien pour Thomas Lacour. Pas plus qu'ils n'ont servi à rien à Nicolas Misselin. Trop de prudence, sans doute. La pluie, elle, a décidé de repartir du Bugatti. Et toujours la bagarre pour le leadership de la catégorie B entre Lapierre et Vinland. Encore un peu plus de 12 minutes dans cette première course du dimanche en Porsche Carrera Cup. Ça va être dur pour les pilotes qui se sont arrêtés, on l'a vu, comme Nicolas Misselin ou Thomas Lacour qui roule toujours, ce qui n'est pas le cas de Pierre Piron, on l'a vu également. Et donc également, on a pu le constater sur ce classement d'Alexandre Joannem qui n'a donc pas pu repartir après son petit passage pas très loin du bac à gravier. Allez, toujours retour et on la suit cette bagarre pour les gentlemen, Lapierre, Vinland, le gros freinage là du Norvégien. Et on peut y aller hein, sur les bordures, elles ne sont pas trop dangereuses. Elles ont légèrement été humides, mais pas trop. Voilà, et on peut profiter de toute la largeur de la piste sans aucun problème. Ça tient pour l'instant donc pour Lapierre. Et des appels de phare, on le voit également. On essaye toujours de s'intimider avec quelques petits appels de phare. Mais en général, c'est un petit peu vain. Le pilote qui est devant n'a pas du tout l'intention d'ouvrir la porte quoi qu'il arrive. Et cette bagarre qui nous intéresse désormais, eh bien c'est Laurent contre Beltoise. Les deux hommes ne se lâchent plus depuis un petit moment déjà.
Ah, quel dommage pour Vincent Beltoise que ce début de course un petit peu compliqué pour lui, avec une voiture relativement instable. Ça va beaucoup mieux, mais encore faut-il pouvoir passer et attaquer. Thomas Laurent qui se défend, voilà, trajectoire un petit peu plus fermée, un petit peu plus sur la défensive là, pour le numéro 85. Il va falloir essayer de trouver l'ouverture. Ou l'user peut-être pas. Un petit peu plus loin sans doute. La pression est sur les épaules de Thomas Laurent pour cette quatrième place. Et encore une fois, les petits appels de phare. Mais il ne se poussera pas. Il a bien l'intention de la garder. Cette quatrième place, Thomas Laurent. Il va falloir aller la chercher. Vincent Beltoise, elle ne lui sera pas donnée comme ça, cette quatrième place. Et la question est de savoir si cette bagarre ne va pas profiter à Julien Andlauer, qui est peut-être en train de revenir là sur le duo à moins de 10 minutes désormais de la fin de cette première course. Pour l'instant, c'est un duel pour la quatrième place. Est-ce que ça ne va pas devenir une bagarre à 3? Et la question aussi, pourquoi pas, et peut-être de savoir si, alors que ça glisse pas mal là, pour la Porsche bleue de Thomas Laurent, si les deux hommes ne vont pas être en mesure également de revenir sur Geoffrey de Narda. Allez, peut-être ici, l'attaque de Vincent Beltoise à l'intérieur. Ah, c'est beau ça, le passage à l'intérieur ici. Magnifique, avec un gros freinage à l'intérieur pour défendre sa position. Et c'est passé pour Vincent Beltoise. On le retrouve dans cette fin de course à 8 minutes de la fin. Changement de position pour la quatrième place. Et vraiment un superbe dépassement à l'intérieur ici. Il faut oser le faire et c'est fait pour Vincent Beltoise. Impeccable, il n'y a même pas eu contact entre les deux hommes. Super boulot de la part de Vincent Beltoise, mais aussi belle réaction derrière de Thomas Laurent. Attention, parce que comme on pouvait le prévoir, Julien Andlauer est revenu derrière. Attention. Non, alors là, franchement, l'attaque est venue de franchement trop loin. Il a perdu sa Porsche là, Julien Andlauer, et c'est le contact. Quel dommage! Quel dommage! On revoit. Ouais. La voiture est en perdition sur virage et c'est l'accrochage. On le retrouve, Thomas Laurent, quel dommage, un petit peu plus loin. Alors, à surveiller les positions. Désormais, derrière lui, c'est le duo infernal du championnat B. Ah oui, si, il est désormais sixième. Et juste derrière lui, on retrouve le duo La Pierre-Lineland, Jaminé. Alors qu'on prévient, avec possibilité de drapeau noir là pour le 22, c'est Sylvain Noël. 12 tours ont été couverts avec toujours comme leader, je vous le rappelle, Mathieu Jaminé. Et là, la bagarre qui s'intensifie pour le classement B entre Christophe Lapierre et Erreur Lineland. Attention peut-être au contact. Attention surtout à l'attaque. Un coup par l'intérieur, un coup par l'extérieur. Ouais, mais la meilleure trajectoire pour l'instant, elle est bien pour le pilote de la 911. Là, ça va croiser. Confirmation, voilà, drapeau noir pour Sylvain Noël. Et alors qu'il y a un problème, crevaison, sans doute la conséquence de l'accrochage tout à l'heure avec Thomas Laurent. C'est terminé pour le 555. Julien Andlauer, terminé. Et qu'on s'arrête également derrière pour Yves Noël, la Porsche numéro 6, voilà, qui s'arrête à son tour. Et à un peu plus de 5 minutes de la fin de cette épreuve, de cette première course du dimanche ici au Bugatti, on retrouve l'incontestable leader Mathieu Jaminé. Impeccable pour l'instant, Mathieu Jaminé.
Il a signé le meilleur temps au tour. Son meilleur temps, on l'avait vu tout à l'heure, en 1:41,297. Et ben, il va l'améliorer, ce chrono. Ouais. Alors que là, on revient sur la bagarre dans la catégorie gentleman, dans le championnat B, avec un changement de leader. La question, y a-t-il eu un petit contact entre les deux? En tout cas, Lindland est passé devant la pierre. Et un Vincent Beltoise déchaîné dans cette deuxième partie de course s'attaque également désormais à Geoffrey de Narda. C'est la bagarre pour la troisième place. Ça chauffe dans cette fin de course, que ce soit pour les places sur le podium final, mais également donc dans la catégorie gentleman dans ce championnat B, avec Lindland qui vient de passer. Et la possibilité pour Vincent Beltoise, les deux voitures qui se touchent un petit peu. Et elles sont désormais côte à côte. Il y a en plus quelques retardataires au milieu de tout ça. Histoire de rajouter un petit peu de piment. Le 171, c'est Thierry Ligaud qui se retrouve là. Et oui, là aussi, il y a un petit contact, on le sent bien. De Narda a gardé sa position. C'est lui qui a plongé en premier sur à l'intérieur du pilote retardataire. Il n'y a pas de raison, un petit peu comme en endurance, on en profite, on essaye de jouer avec les retardataires pour coincer un petit peu son adversaire. De Narda Beltoise, c'est le duel qui anime les trois dernières minutes de cette première course du week-end. Lindland, il est bien désormais devant la pierre pour quelques petits dixièmes de seconde. Les deux hommes qui sont d'ailleurs sixième et septième au classement général. Petite tentative par l'extérieur ici pour croiser à la sortie de la chapelle. Allez, peut-être tenter quelque chose dans le virage du musée. Non, ça ne passera pas ici. Ce n'est pas non plus le plus gros freinage du tracé. Il faudrait de la patience, il va falloir de la patience là pour Vincent Beltoise. Trouver la bonne opportunité. Ce n'est pas le moment de refaire ce que nous ont fait tout à l'heure, en particulier Thomas Laurent et Hanlauer. En tout cas, dans cette fin de course, c'est là que ça se passe. C'est au niveau de la troisième et de la quatrième place. Et à l'intérieur peut-être. Mais l'intérieur de l'un, c'est l'extérieur de l'autre. Allez, ici, le freinage du raccordement, blocage de roue. De Narda qui en profite pour repasser. Superbe, superbe cette bagarre-là entre De Narda et Beltoise. Alors, va-t-il refaire le coup du passage à l'intérieur? Eh oui, mais son adversaire est prévenu. L'intérieur, il n'y a guère de place. Et la Porsche, bien assise à la relance, là sur son train arrière qui essaye, et son pilote qui essaye de trouver le moindre dixième pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Attention, voiture un petit peu ralentie là. Allez, ça n'a pas véritablement empêché Beltoise de rester dans le sillage de son adversaire. Les deux premières places, elles sont établies entre Jaminet et Latorre. Mais ce n'est pas du tout le cas de la troisième marche du podium de cette première course. Là aussi, les drapeaux bleus sont de mise. Il n'est pas si loin que ça d'ailleurs, Florian Latorre. On l'aperçoit. Voilà, il est là, le numéro 10, à la deuxième place. Et l'attaque encore. Il plonge à l'intérieur, Vincent Beltoise. Allez, petite sortie pas très loin du bac à gravier pour De Narda, qui va contrôler par la suite.
15 tours, couvert en tout cas par le leader, alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire dans cette course. Sans doute le dernier tour pour tout le monde. Ouais, là, pour passer, ça ne va pas être facile du tout. À moins qu'il y ait une petite erreur là qui puisse profiter à Vincent Beltoise. Bonne défense en tout cas de Geoffrey de Narda. Je vous rappelle aussi, c'est ce qu'on l'a déjà dit, hein, mais les deux hommes sont en bagarre pour la deuxième place du classement général de la Porsche Carrera Cup France. 10 points les séparent seulement, donc forcément celui qui finit devant son adversaire fait une bonne opération, même infime, mais c'est quoi qu'il arrive une bonne opération. Alors qu'on revient sur le leader de la course, il a déjà remporté toutes les victoires, 6 victoires, il est en passe d'en remporter une 7e. Mathieu Jaminet n'a pas eu véritablement d'adversaire dans cette première course ici sur le Bugatti. Et la bagarre pour la 3e place, autant se dire qu'elle va durer, on l'espère, jusqu'au drapeau à damier. Mais voilà, il tente tout, il tente vraiment tout, Vincent Beltoise, mais la défense est belle, c'est impeccable. Alors que Mathieu Jaminet passe donc le drapeau à damier, suivi de Florian Latorre, et qu'on attend bien sûr le deuxième et le troisième. Voilà, Florian Latorre qui vient de passer. Et Geoffrey de Narda qui conserve donc sa 3e place pour quelques petits dixièmes sur Vincent Beltoise. Laurent Thomas à la 5e place. Et sachez qu'on a vu passer un Roar Lindland devant Christophe Lapierre, mais ce dernier sera, le Norvégien, sera pénalisé par la suite à cause du contact pour récupérer la première place du classement B. Classement B qui va de nouveau retourner dans l'escarcelle de Christophe Lapierre. Alors qu'ici vous avez le vainqueur de cette course, une fois encore donc Mathieu Jaminet. Bon Mathieu, une 7e victoire en cette course, mais c'était pas forcément une course facile avec des conditions particulièrement piégeuses au départ. Voilà, exactement. Conditions piégeuses au départ, c'était un peu humide avec un peu de pluie. Quand on est leader, c'est jamais facile parce que j'ouvre la marche. Donc peut-être au début, je roule sur un faux rythme, je prends pas trop de risques. Je vois que derrière, ça suit bien, mais ils n'étaient pas en mesure de m'attaquer. Donc au fur et à mesure, j'ai accéléré pour attaquer un peu vers le milieu de course. Là, j'ai vraiment fait le trou et ensuite, j'ai essayé de gérer l'effort jusqu'à la fin et faire attention dans le trafic surtout. On vous retrouve évidemment tout à l'heure pour la 2e course. Avec cette grille en 2-2 décalé qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est pas forcément facile pour vous de vous adapter entre le 1-1 décalé et le 2-2 décalé? Ouais, c'est un peu particulier. Là, c'est bien qu'on soit parti sous safety car. Après, je pense honnêtement que c'est un peu risqué à voir parce que le premier virage est assez rapide et ça se referme sur une chicane assez lente. Donc à voir en course 2, mais j'ai peur qu'il y ait un accrochage. J'espère pas que ça arrivera. Merci Mathieu, bravo. Ben nous non plus, on espère que ça n'arrivera pas. Donc voici le classement, 17 tours couverts dans cette première course. Jaminet, Latorre, de Narda, c'est donc le podium. Beltoise s'est bien battu. Bon retour de Vincent Beltoise en fin de course. Laurent est donc le classement qui a donc été ensuite interverti entre Christophe Lapierre et Roar Lindland. Le pilote IMSA, Maxime Guimbert, est un petit peu plus loin, à la 9e place. Le 10e, c'est Roger Grauwels devant Van de Gruispaard, autrement dit, les pilotes qui roulent dans la Coupe Benelux. La suite du classement, la fin du classement, et dans quelques instants, la 2e course.